faut d'abord dire que le Vietnam d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un succès fulgurant. Le Vietnam, c'était un des pays les plus pauvres du monde en 1990, qui a été ruiné par plus de 30 ans de guerre que chacun connaît. Et c'est un pays qui a fait le choix à ce moment-là de l'ouverture au monde et de la réforme. Et ce qui lui a permis, en 30 ans, de tripler sa richesse, de faire partie aujourd'hui des économies les plus dynamiques d'Asie, avec un taux de croissance de près de 7%. Et ces résultats, il le doit à deux choses. La volonté de s'ouvrir sur le plan commercial, et en particulier de multiplier les accords de libre-échange avec ses grands partenaires. C'est tout le sens de l'accord de libre-échange qui a été négocié avec l'Union européenne et qui, nous le souhaitons, rentrera en vigueur dès l'année prochaine. Et puis c'est aussi le choix de l'ouverture politique. Le Vietnam a fait le choix du multilatéralisme. Il est membre de la francophonie. Il était représenté à Erevan il y a quelques jours encore. Il est candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité. Il présente des candidats à la direction d'organisations internationales majeures. Le Vietnam est aujourd'hui pleinement inséré dans son environnement régional et international. La France et le Vietnam, c'est un siècle et demi d'histoire partagée. C'est un siècle de présence coloniale française. Et c'est, durant un siècle et demi, une profonde influence réciproque de chacun des deux pays sur l'autre. Les Français au Vietnam, les Français en Indochine, ça a été des personnages importants de notre histoire commune. Alexandre Yersin, qui a donné son nom au lycée français de Hanoï, Marguerite Duras, Pierre Loti et tellement d'autres. Et puis, dans l'autre sens, là aussi, les Vietnamiens ont profondément influencé la France. Ho Chi Minh a vécu en France, il a nourri le débat intellectuel et politique de son temps. Et puis, ça a été aussi l'arrivée en France de nombreux Vietnamiens au fil du temps, au XXe siècle, qui sont venus rejoindre la communauté nationale et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont remarquablement réussi. Dans notre histoire commune, il y a eu naturellement des épisodes douloureux et chacun a en tête, au Vietnam comme en France, la bataille et la fureur des combats de Dien Bien Phu. Mais aujourd'hui, sur le fondement de cette histoire commune, nos deux pays ont construit. Ils ont construit une relation extrêmement solide qu'ils ont choisi d'appeler un partenariat stratégique il y a 5 ans de cela, en 2013. Et aujourd'hui, en 2018, eh bien, la France et le Vietnam, pour la première fois de cette longue histoire, ont voulu échanger des visites au plus haut niveau. Ça a été la visite du secrétaire général du Parti communiste vietnamien en France au mois de mars. Ça va être dans quelques jours l'arrivée au Vietnam de notre Premier ministre et qui témoigne, cette première visite comme la seconde, de notre volonté commune de continuer à construire, d'aller plus loin encore une fois en se fondant sur cette histoire extrêmement riche qui est un trésor pour nos deux pays. Également, la présence de la France, c'est une longue et profonde histoire de coopération dans de multiples secteurs. Dans le domaine de la santé, nous avons formé l'élite de la médecine vietnamienne dans nos universités et nos hôpitaux en France. Près de 3000 médecins vietnamiens ont été formés chez nous. Dans le domaine du droit, dans le domaine universitaire, qui est le cœur de notre action, et avec des résultats à la hauteur de cette ambition, puisque nous accueillons 7000 étudiants vietnamiens en France aujourd'hui, ce qui fait de la France la première destination en Europe des étudiants vietnamiens. Et il faut ajouter à ces 7000 les 3000 étudiants qui sont scolarisés dans les filières universitaires françaises délocalisées au Vietnam. Alors, nous avons déjà beaucoup de succès à notre actif. Nous souhaitons, d'un côté comme de l'autre, en enregistrer encore davantage. Dans le domaine universitaire, c'est fondamental. La moitié du pays aujourd'hui a moins de 30 ans. Et donc, nous voulons demain accueillir plus encore d'étudiantes et d'étudiants vietnamiens dans nos universités, dans nos grandes écoles, pour qu'ils soient à leur tour, dans quelques années, les ambassadeurs de cette relation si privilégiée qui nous unit au Vietnam depuis longtemps.